Fian n'avait pas épousé son grand couillon de militaire, j'aurais pu être fier le jour de ses noces. Au début des années 70, ils n'étaient pas nombreux, les paysans, à avoir une fille ingénieure et un fils médecin. Fier et triste en même temps. La réussite de mes enfants les éloignait pour toujours de la ferme où j'ai passé ma vie, comme mon père, mon grand-père et toute une génération d'hommes fidèles à la terre. Après le gueuleton, j'ai fui le bal. Je n'avais pas le cœur à danser, je me suis réfugié au champ de l'an. Le champ de la douleur. Assis devant ma pierre, je l'ai interrogée pour savoir ce qu'elle avait gardé en mémoire depuis qu'elle était tombée du ciel, histoire de parler de l'ancien temps et de me redonner des raisons d'être heureux aujourd'hui. On a commencé par évoquer le passé le plus récent, ma jeunesse. Je me suis souvenu pourquoi j'ai voulu rester au pays au retour de la guerre, tandis que d'autres décidaient de partir. Au matin, des trombes d'eau sont tombées sur la prairie. Le jour de ma naissance aussi, il pleuvait. Ma mère me l'a tant de fois raconté. Cherchez le patron. Presse-toi, mon bonhomme. Presse-toi. On va le faire. Thank you.
Tu pouvais pas attendre de le faire dans la maison, comme tout le monde? C'est un garçon, au moins. Oui. C'est bien. Il aidera son père. Les bêtes sont rentrées. Ils sont abreuvés. Angèle, on s'en occupe. Il aura été arrosé, le bonhomme. Oui. Oh. Vu qu'il n'ait pas attrapé du mal. Penses-tu? J'ai la garantie pour le restant de sa vie. Il n'aura pas attendu pour apprendre à résister. La réplique qu'il a sur le ventre, là, quand tout ça va être plat, il va être comme un petit cochon. As-tu pouvoir traire les vaches seulement? Bien sûr qu'elle va pouvoir. Si ton père était toujours là, il dirait combien j'ai travaillé le jour de ta naissance. De notre temps, on ne s'écoutait pas. Aujourd'hui aussi, les femmes sont courageuses. Elle me l'a même pas montré. Est-ce qu'il nous ressemble, au moins? Ah, ça oui. Ça, je crois bien, hein. Tant mieux. Il sera plus beau s'il est de bord. Nom du père. Le nom du père. Oh, je viens de le faire. Grand imbécile, tu n'es pas à l'église ici. Je te demande ton nom. Ben, vous le connaissez, mon nom? Bien sûr que je le connais. Mais je dois te le demander. Et toi, tu dois me le dire. C'est la loi. Nom du père. Le reculou. Prénom. Prénom. Jules François. Nom de la mère. Ledu Joséphine Marie. Témoin. Alors... Le Brec, Lucien, René, Pierre, Paul, Léon, Louis, Ferdinand, Constant. C'est tout? Oui. Ce jour a été en notre présence Colin, Jean, Benjamin, maire de la commune, et celle de Le Brec, Lucien, René, Pierre, Paul, Léon, Louis, Constant, Ferdinand. Ferdinand, Constant. C'est pareil. Déclaré par son père, le sieur Le Reculou, Jules François. La naissance de l'enfant, le reculou. Comment l'appelles-tu? Oh merde. Ben, ne marque rien parce que je viendrai l'écrire dimanche. Je n'ai pas pensé à demander à Finette, à Joséphine Marie. Ça sera Alexandre. C'est comme ça que je voulais t'appeler. Ton père préférait Jules à cause du grand-père. Oui. Il est mort au camp de Conly durant la guerre de 70. Oui, oui, oui. Ah non. Pas Alexandre, on l'appellera Alex toute sa vie, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle réfléchit. Elle réfléchit encore. Ça doit pas lui plaire, forcément. Dieu tout-puissant et éternel, daignez regarder favorablement votre serviteur. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que vous avez bien voulu appeler au principe de la foi. Ma mère va pas être contente. Jean-Baptiste, recevez le sel de la sagesse, qu'il vous soit propice pour la vie éternelle.
On l'appellera Alexandre pendant quelques temps pour avoir la paix. Puis après, on dira son vrai nom. Jamais de la vie. C'est Jean-Baptiste Tempo, c'est tout. Mais si tu préfères la guerre... La guerre, on l'a tous les jours. Oui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Après mon baptême, ils sont tous venus ici boire un coup, à ma santé. Mon père a trempé son doigt dans son verre, me l'a passé sur la langue pour enlever le goût du sel. Ça se faisait à l'époque. Je me suis léché les babines, à ce qui paraît. Mais je suis pas devenu alcoolique pour autant. Hein. T'aimes bien boire ton petit coup, quand même. Mais c'est le seul plaisir qui me reste. Et ça, tu me l'enlèveras pas, docteur. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû te faire siroter le jour de ton baptême. Maintenant, tu serais peut-être un peu moins pâle. Moins pâle et plus rigolo. Remplis, Adrienne. Qu'est-ce que t'arroses, Jean-Baptiste ? À moi, rien. Mais eux, peut-être. Merci, madame. Elle a raison, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous m'avez attiré ici, c'est bien pour qu'on trinque en l'honneur de quelque chose. On a une grande nouvelle. Je vais être grand-père. Comment t'as deviné ? Oh bah, pas besoin d'être bien malin. Si ça avait été pour annoncer votre mariage, t'en aurais d'abord parlé à ta mère, elle attend que ça. Mais là, ça va être une autre histoire. Quand elle va être au courant, ça m'étonnerait qu'elle saute au plafond. Alors, comme t'oses pas lui dire, tu comptes sur papa pour aller déblayer le terrain. Tu n'as pas raison. Votre figure a changé, Susan. C'est aussi ça qui m'a mis sur la voie. Ça vous va bien de porter un petit. Vous êtes encore plus belle. Merci. Louise, j'ai une grande nouvelle. Oh, une bonne ? À toi de juger. T'en fais des mystères. Quelque chose de grave ? Tu vas être grand-mère. Oh, comme je suis contente. Ben, te réjouis pas trop vite. C'est pas Anne qui est enceinte. Son troufion est trop couillon. Il doit pas savoir s'y prendre. Susan ? Ben, qui veux-tu que ça soit d'autre ? Ben, comment qui te l'a dit ? Ben, c'est eux, pardi. Mais ils sont pas mariés ? Non, c'est pour ça qu'ils ont pas osé venir te le dire eux-mêmes. Ils avaient peur que tu tombes en syncope. Mon Dieu. Oh, Dieu ! Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Dieu ? C'est curer sa couple pour faire des gosses. Il trouvera rien à redire, Dieu. Il a trois balayés devant sa porte. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ? Ma pauvre fille, tu vis pas dans ton époque, hein ? Tout de même, ça me fait honte. Honte ? Mais t'as plus de mémoire. On n'a pas fait mieux, nous. Anne n'est pas venue en retard. On avait pris de l'avance. On était jeunes, on s'aimait. Ah, puis merde, ils sont heureux, c'est le principal. Hein, ils sont pas les seuls. Bon, il y en a pour cinq, là. Non, pour cinq. Oui, j'aurais demandé de passer à l'hospice chercher Angelmont. Comme tu joues le cœur à la fête. Dépêchez-vous. Depuis que ta mère sait que vous êtes là, elle tient plus en place. Où tu vas ? Dire bonjour à Rosalie. Elle est plus là. Elle est où ? Elle est partie vivre ailleurs. Vivre ailleurs ? Tu te fous de ma gueule ? Ben, va voir si tu me crois pas. La Rosalie, je l'ai cédée pour une poignée de cerises au fils à Émile. Il l'a mise à paître dans un pré à côté du champ de l'an, comme ça. Elle n'est pas dépaysée. Elle voit le menhir. C'est nickel, hein ? Non, assure-toi, on n'a pas touché à ta cabane. Je te l'interdis. C'est ici que j'ai vécu. C'est ici que je veux mourir. Je sais. Pourquoi tu t'es débarrassé de Rosalie ?
Mais c'est pas moi, c'est Louise. T'avais qu'à l'empêcher. Bah, c'est pas si facile, c'est comme pour les gîtes. Les quoi? Les gîtes. Les habitations pour les touristes. Elle a dans l'idée de transformer en gîte tous les vieux bâtiments. Et ici aussi? Bah oui, c'est pour ça qu'elle a pas gardé Rosalie. Mais elle a pas décidé de tout, la patronne. Ah, oh, tu me chauffes le rognon, toi aussi, hein? Presque autant qu'elle, c'est pas peu dire. Bon, allons-y, elle est capable de profiter qu'on n'est pas là pour embêter les jeunes. Ah, j'en étais sûr. Mais t'as pas honte? Tu devrais te réjouir au lieu de chialer. En plus, ils ne veulent pas se marier, tu me l'avais pas dit. Ils ont bien raison. Comme ça, si un jour ils décident de se démarier, ça leur coûtera moins cher. Tellement de choses à la fois. Faut le temps que je m'habitue. C'est leur vie, pas la tienne. Tu veux l'apéro? Non, t'en veux pas, tant pis pour toi. T'es genre... Maudit bourrique. Oh, arrête de renifler, là, hein. Vous allez pas nous gâcher notre dimanche à vous deux, là. Bon, excusez-moi, il faut que je m'en aille. Je peux pas rester à les regarder et faire leur simagrée. Et dire qu'il y aura pas plus fier que toi quand cet enfant naîtra. Malheureusement, tout le monde aura peut-être pas oublié l'accueil que tu lui fais aujourd'hui. Ma pauvre mère. Elle, elle en avait des raisons de pleurer. Tout ce qu'elle faisait n'allait jamais. Que des reproches. Que des soucis. Jamais de joie. C'est pas pour vous contrarier, c'est pour essayer d'être aimable. T'en mets trop, tu gaspilles. Pas besoin d'un fagot entier pour allumer le feu. Par ta faute, un jour, on aura un feu de cheminée. C'est pas toi qui me sauveras. Tu seras si contente de me voir brûler vive. Les laisse pas dehors. Hier, tu l'as fait exprès pour que je pisse dans mes draps. Angèlement, m'entends-tu? Oui, patron. Il va finir par passer au travers. Il me tombera dessus, le bandit. Va
As-tu entendu? Je l'ai pas fait exprès. Tu dis ça tous les matins. Traînez pas, je mets la soupe à chauffer. Et mon chignon? Je veux pas attendre jusqu'à midi pour être coiffé. Allez. Doucement, tu me fais mal à la tête. J'aurai bientôt plus à le tourner, votre chignon. Dans pas longtemps, vous aurez plus de cheveux. Vous les perdez par poignée. Forcément, tu tires si fort dessus que tu les déracines. Si tu continues, je plaindrai Jules. Mais c'est pas vrai ce que je dis. Vos cheveux tombent pas, vous serez jamais chauve. Menteuse, je sens brûler quand tu les jettes dans le feu. Commence par un bout puis finis par l'autre. N'écoute pas les géraniums de la Bretonne. On va te faire tourner en bourrique si tu l'écoutes. Allez, vache. Toujours à se le crêper, le chignon. Toujours à geindre. Après l'amour, la merde. Et votre seau, qui est-ce qu'il vide? J'ai pourtant pas grand amour pour vous. Vous avez de la chance que maman soit plus là. Si elle était encore de ce monde, elle serait venue vous faire payer tout le mal que vous me faites. Ça fait longtemps que je serais partie de chez vous. Je vous aurais laissé croupir dans votre jus. Si tu crois que je t'entends pas? Je sais. Ça fait partie de vos ruses. Voulez-vous de café? Je veux que ce soit Jules qui me l'apporte. Comme ça vous chante. J'ai trop peur qu'elle m'empoisonne. Oh, tu déraisonnes, moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu déraisonnes. Oh non, j'ai toute ma tête. T'es pas toujours là pour voir la misère qu'elle me fait. Où tu vas? Détacher les génisses. Et à quoi ça va servir s'il n'y a pas d'eau dans l'abreuvoir? Commence d'abord par le remplir. C'est pas Dieu possible. Faut te répéter tous les matins. C'est qu'elle a raison, ma mère. T'as rien dans la tête ou quoi? Rendez-le-moi, je vous en supplie. Rendez-le-moi. Alors, ils sont là? Sortir. Fais-la sortir. Elle doit être là. Ah!
de ça, de marcher les pieds nus, là. Je crois que tu vas te faire du bien, toi. Du bien ou du mal, quelle importance. Je sais que je guérirai jamais. Pourquoi t'es allé voir le gamin? Parce qu'il pleurait. C'est pas vrai. J'avais mis la fenêtre sur l'espagnolette pour l'entendre quand il se réveillerait. Il a pas crié. Elle avait mal refermé l'épingle à nourrice. Ça lui piquait les fesses. Pas étonnant qu'il chouinait, la pauvre petite bête. Vous n'êtes qu'une menteuse! Jamais elle me le donne à toucher. Jamais. Patronne. Patronne. Oui, Angélon. On dirait le petit Jésus dans la crèche de l'église. Je sais, tu me l'as déjà dit. Manger sur le bord du chemin, va! J'ai autant d'herbe gagnée sur le pré! Ah! Fait-il dehors? Si ça vous intéresse, regardez par la fenêtre. Un bon coup, tu pisseras moins. Qu'est-ce qu'elle en a eu? Qu'est-ce qu'elle a souffert? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Voilà. Vous êtes contente? Ça suffit bien de s'éclairer à la cheminée. Pas besoin de brûler la chandelle par les deux bouts.
Vos sous, vous les emporterez pas dans votre cercueil. T'es si pressé de me voir partir? T'as pas de veine? Je tiens le coup. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jamais elle ira au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Quelle saleté, hein. Allez, Jean Ranson nous fait encore une belle récolte, tiens. Amen. Ils sont tous piqués cette année. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est bientôt fini? Oui, patronne. Il est temps d'aller te coucher. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Allez, allez. C'est bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu vas? Épicé. Menteur. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. En plus de sang dans ces crachats. T'as vu? C'est trop dangereux pour notre petit bonhomme. Je veux pas qu'il meure comme le petit d'Adélaïde. Tu veux qu'on la mette à l'hôpital? Ils la garderont pas. Elle est trop malade. À l'hospice? Ils en voudront pas non plus. Bah, dis-moi comment m'en débarrasser, puisque c'est ça que tu veux. C'est ta mère. C'est toi qui dois savoir. Oh, tu veux pas la tuer, tout de même? Corridor pour empêcher les microbes d'entrer dans la salle. Qu'est-ce qu'elle dit? Corridor. Je sais rien, je comprends pas. Elle sent là comme elle pue la goutte. À ta place, j'aurais bien lui faire passer goutte à boisson. Je suis pas content. Ça me plaît pas du tout. Il faut arrêter ça. Hein. Ça faut que ça s'arrête tout ça, faut que ça s'arrête. Bon.
aussi, c'est fermé. Tu trembles déjà. Si t'as soif, bois de l'eau. Il y en a plein à la fontaine. Attends pas qu'il crie pour lui donner son lait. Si le patron demande après moi, dis-lui que je suis au bourg à montrer ma figure. Bonjour, Finet. Bonjour. Aurais-tu oublié quelque chose dimanche? Que tu sois obligée de redescendre aujourd'hui? Oui. Je barade demain, j'ai plus de sel pour mon beurre. Comment c'est possible? C'est ma faute. Je l'ai laissé à l'humidité, il a fondu dans sa boîte. Pourquoi t'en as pas demandé au bois du père? Pour si peu de jours, Paulette t'aurait dépanné. Oh. J'aime pas bien faire appel au voisinage quand je peux me débrouiller autrement. Tu regardes ma joue? Oui, qu'est-ce qui t'arrive? T'es trop curieuse, Marie-Ange. Oh, c'est pas pour moi, ça m'est bien égal de savoir. C'est pour celles du bourg. Elles t'ont vu rentrer chez moi. Dès que tu seras sortie, elles vont venir aux nouvelles. Et leur dire que c'est un accident, la faute d'un veau. Il s'est mis en travers de mes jambes quand j'ai eu fini de traire la voisine de sa mère. Je suis tombée de tout mon long, la tête en avant sur le tabouret. Heureusement, le seau n'a pas versé, j'ai pas perdu une goutte de lait. Quelle que soit la façon dont c'était arrivé, je te plains, ma pauvre Finette, te voilà toute défigurée. Tu me crois pas? Si, bien sûr. Marque sur mon compte, s'il te plaît. Tu n'oublies rien ce coup-ci. Ah bah, tu fais bien de me le demander. Réfléchis tant que t'es là. Ah, si. Du vin. Jules m'a dit qu'il n'y en avait plus dans la réserve. C'est pratique d'en avoir en cas de visite. J'ai oublié mon panier. Je vais te prêter un cabas, Finette. Monsieur le curé le proclame dans ses sermons.
Venez à mon secours. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi. Prenez ma belle-mère dans votre paradis. Je vous fais la promesse de plus jamais boire. Avec une bouteille, dans pas longtemps, on fera d'elle tout ce qu'on veut. Tu peux rire. Ça a bien arrangé les choses, hein. Il sera pas malheureux chez nous. On le traitera aussi bien que Léon. Laissez-nous donc. Autant de temps qu'il faudra à cette pauvre finette pour rentrer dans le droit chemin. Bon, je passerai la bourrée de votre côté, puis on n'aurait pas à bêcher, mais ça ira plus vite. Pas pour si peu. On vous demande rien. Ah non, mais... je suis heureux de vous le proposer, puis je vous donnerai aussi de la semence à patate et de l'herbe pour vos chèvres. Hein? Eh bien, merci pour le petit. Pour finir, toi.
et qu'on t'a condamné à vie, à vivre une vie plus dure que la mort. Hein? Si tu te mets à déraisonner, toi aussi, il manquerait plus que ça. Tu vas quand même pas la soutenir. T'as envie de faire pleurer ta mère? Laisse-nous. Non! Non, 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 je veux pas aller dans le grenier! Non, je veux pas aller dans le grenier! Non! Je veux pas! Je veux pas aller dans le grenier! Non! Je veux pas aller dans le grenier! Je veux pas! Presse-toi, non. Ne reste pas dans le grenier. Je veux pas. J'ai su que tu me voudrais du mal dès que je t'ai vu pour la première fois. Oh, tu déraisonnes, va. J'ai deviné que tu me ferais mourir. Tu déraisonnes. Laisse pas faire, Jules. Et pitié de ta pauvre mère. Tu verras quand ton tour viendra. Oh, Dieu! Surtout, t'éteindras avant de dormir. Oui. T'oublieras pas? Non? Une autre couverture? Je sais pas. C'est vrai qu'ici, t'auras moins froid que sous les ardoises du grenier. La patronne, oui. C'est vrai que vous avez juré de ne plus jamais boire? Je vous demande pardon, la patronne. Je l'ai pas fait exprès. Je vous jure! Je l'ai pas fait exprès! Je courais en sabots sans me tordre les chevilles. Aujourd'hui, j'ai du mal à marcher, même en chaussures. Mes jambes sont si raides, on dirait que le sang n'y circule plus. Autrefois, c'était des dizaines, enfin, qu'est-ce que je dis, des centaines de vaches qui paissaient dans ces prairies autour de nous. La Bretonne, Marguerite, Pâquerette, la Rouge, la Noiraude, Grande Corne, Courte Queue, Boupi, Prunelle, Juju, Joli Cœur, Fleurette, Rosette,
Pépette, Jacinthe, Gueule d'amour, Mimi, Cocotte. La liste est trop longue, on sera encore là demain matin. Aujourd'hui, les vaches, elles ont plus de noms, elles ont des numéros. 283, 622, 714. Bon, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ça fait une heure que je vous cherche. Vous emmènerez votre petit se promener du côté du champ d'Olan. Vous lui parlerez d'Angèlement. Hein? Vous lui direz que je grimpais en haut de la pierre et à la cime des chênes aussi vite qu'un écureuil. Je voulais voler comme les corbeaux pour aller voir ce qu'il y avait derrière la colline. C'est pas des mensonges. Mais je vous crois. Et un coup, j'ai essayé. J'avais cousu des plumes de dindon aux manches de ma veste. Et puis j'ai sauté en battant des bras comme si j'avais des ailes. J'ai été quitte pour une épaule débile et une bonne engueulade du patron. Heureusement que je ne m'étais pas cassé une jambe, hein. J'aurais pas pu continuer à garder mes vaches. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Angèlement. Salut, les gars. Salut, ça va? Ça va? Ça va? S'il vous plaît, la patronne, un verre de vin. Un, pas deux. Deux, trois, quatre. J'ai de quoi payer. Ton patron te donne toujours ton prêt? Ouais. Tous les dimanches, comme au temps où je travaillais. Oh, t'en as de la chance. Oh ben vous aussi. Hein. Mes sous ne trouvent pas mes poches, ils vont bien vite dans votre tiroir. Comme les agricoles, c'est la cour, rigole, les boîtes, beaucoup, sans que ça vous coûte un sou. Sans que ça vous coûte un sou, sans que ça vous coûte un sou. C'est là que l'on rigole. Comme les agricoles, c'est là que l'on rigole. Rigole les boîtes beaucoup sans que ça vous coûte un sou. J'ai vu le jus de la pomme bien avant d'être un homme. Enfin, vous voilà. Ouvrez la bouche. Vous puez la vinasse. Non, ma sœur. Le sang de Christ. Monsieur l'aumônier en boit tous les matins, et ben moi, c'est le soir. Un jour, on supprimera vos sorties. Je m'échapperai. Allez donc vous mettre au lit au lieu de dire des bêtises. Par là, ça sent la rose. Être propre ici, c'est propre. Et que c'est triste. Quelle misère de ne plus avoir de chez soi avec de la paille par terre et des toits d'araignée sur les murs. Jamais je me ferai à ce maudit odeur de Javel. Ah, bon Dieu, j'étais con de venir ici, j'étais con. Vous plaignez encore? Tous nos pensionnaires ne sont pas comme vous, heureusement. Ceux qui sont résignés, pas moi. Qu'attendez-vous pour vous coucher? D'avoir la tête vide. Ne pensez à rien. Le pouvoir. Ma sœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? N'éteignez pas tout de suite. Je vais encore me retrouver tout seul avec mes fantômes. Merci, ma sœur.
Qu'est-ce que tu farfouilles là-dessous? Je cherche mes chaussettes russes. Faudra venir me voir tous les jours, mon gamin. Faudra pas la laisser toute seule, la pauvre grand-mère. C'est moi qui suis allée te chercher à l'orphelinat. Pas elle. Quand je serai plus là, tu t'en iras, toi aussi. Elle finirait par te faire du mal. T'es tombée dans une bien mauvaise maison, mon Angèle. Si ta mère te voyait. La malheureuse. Bonsoir les patrons. Bonsoir Ça doit bien me maudire à l'heure qu'il est. C'est sans secours, ni médecin, ni prêtre. Je l'ai tué, Ginette. Je l'ai tué, hein. Elle était condamnée. Oui. Même pour elle, c'était pas à souhaiter qu'elle dure plus longtemps. Requiem aeternam donais domine, et lux perpetua luce a teis. Femme, on n'aura plus à craindre ces microbes. En s'en allant, elle nous a fait faire l'économie d'un corridor. Sûrement pas. C'est dans les courants d'air qu'elle a attrapé son mal. Oh. Les pièces sont trop grandes, bien trop froides. Quand on chauffe d'un côté, on gèle de l'autre. Avec un corridor, on garderait plus facilement la chaleur dans la maison. Sans compter qu'on serait plus tranquille.
premier venu qui passe la porte voit tout de suite ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas grand monde qui vient chez nous. Le facteur ? Combien de fois par an ? Tous les jours, si on s'abonnait au journal. C'est ce que tu penses faire ? Oui. Maintenant que ta mère est plus là pour nous le reprocher. On a le temps de lire. Le soir, avant de m'endormir, j'ai l'impression que ça me distrairait. Ouf. Et au moins, on ne serait pas obligé d'attendre le dimanche que les autres nous apprennent les nouvelles. Bon. À quoi ça servirait de savoir ce qui se passe ailleurs ? On a bien assez de savoir ce qui se passe chez nous. Equiem aeternam donais domine. Et lux perpetua luce a teis. Sœur Clémence. Sœur Clémence. C'est pas un cachet qu'il faut me donner, c'est toute la boîte. Nous, les Vacher, on est tous logés à la même enseigne. On n'a pas le temps d'user nos culottes sur les bancs de l'école. Il faut gagner notre pain dès qu'on a la force de pousser une boîte de fumier. À l'assistance, ils n'arrêtaient pas de me peser, de me mesurer. Ils tâtaient, me tâtaient les bras. Ils pensaient qu'à une chose, à me placer le plus vite possible. C'est pour ça que je suis resté aussi bête que mes vaches. Oh non, vous n'êtes pas bête. Si. Les bonnes et les valets de ferme en valent pourtant bien l'autre. Certains pourraient en remontrer à des patrons qui se poussent du col et qui sont bien moins malins que leurs ouvriers. Ça, j'en doute pas. Alors pourquoi on n'a pas le droit de vivre comme tout le monde ? On devrait faire la révolution. On travaille tous les jours que votre bon Dieu fait, par tous les temps, sous la pluie, dans la neige. Et quand notre vie se termine, 9 fois sur 10, on arrive au bout du rouleau, malade. Sans famille, sans maison, sans avoir rien gagné. Trouver ça juste. Pas moi. J'ai souvent eu envie d'en finir. J'étais dans le puits, attaché une cravate au bout d'une corde. On peut pas toujours s'accommoder de tout. Un chrétien n'a pas le droit de reprendre la vie que Dieu lui a donnée, monsieur Angelmont. M'a bien volé ma mère, votre Jésus. Vous trouvez ça chrétien ? J'ai tellement pleuré de ne pas en avoir eu. Tous les soirs, je faisais une bise à pâquerette avant de monter me coucher dans ma cabane. Jean-Baptiste, lui, c'était sa mère qui l'embrassait. Il a eu de la chance. Matin et soir, quand il partait à l'école et dès qu'il revenait. C'est pourtant pas la mode de se lécher aussi souvent. Bonsoir, mon bonhomme. T'as eu trop froid ? Non. Dis-moi ce que t'as fait. T'as bien travaillé ? Oui. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui ? Oh ! Oh là là. Ça ? Oui. Je suis fière de toi. Baptiste, n'y voit goutte, notre lampe est foutue.
Faut en acheter une neuve ou va se crever les yeux. Oh, c'est pas une heure pour lire. Il est pas tard, on est dans les jours les plus courts. Quand il rentre de l'école, il fait déjà nuit. Mais il n'a qu'à se mettre dans la cheminée, il verra plus clair. Ah, Baptiste. Pas étonnant que les garnements du bourg sont plus malins que ceux des fermes. Ils ont électricité, eux. Oh, jamais on aura de ça chez nous. J'aurais trop peur d'avoir un incendie sous le plafond. Il n'y a pas de flamme dans les ampoules. Quand elle pète, ça fait le même effet. Les fils gris jusqu'au compteur électrique, là, c'est comme un éclair, à ce qui paraît, ça va aussi vite. Ça arrivait nulle part. Pauvres innocentes, ils vont pas s'inventer, hein, c'est pas leur intérêt. Tiens, c'est quoi tes leçons? Du département. À quoi ça va te servir? Être moins bête que nous. T'as besoin de savoir dans quel département se trouve Paris, t'iras jamais à Paris. Sauf en cas de guerre, comme nous autres. T'as pour se faire trouiller la peau, puis... Pourquoi? Pour qui? L'école est obligatoire. Comme si c'était utile d'avoir le certificat pour traire les vaches et puis changer le fumier, mener un cheval et labourer. Est-ce que je l'ai, moi, mon certificat? Est-ce qu'il l'a, lui? Un jour, il nous reprochera de ne pas l'avoir. Si on l'avait laissé faire ses devoirs et pas fait manquer l'école aussi souvent. Angèlement, c'est vrai ce que dit la patronne? Je sais pas. Il sait pas. Ouais, alors, je te jure que ça ne servira à rien, moi. Tout ce que je connais, je le tiens de mon père, puis j'en sais assez pour cultiver ma terre. L'école, elle fabrique que des fainéants et des prétentieux. Ils ne veulent plus travailler quand ils sortent. Ils ne pensent plus qu'à s'amuser puis à boire. Le Finistère, chef-lieu Quimper. Bonjour. Bonjour. Empêche-la de marcher dans les flaques. C'est par les pieds qu'on attrape froid. Dépressez-vous, sinon vous allez être en retard à l'école. Le Morbihan, chef-lieu Lorient. Préfecture, Vannes, Vermelles et Pontivy. Morbihan, chef-lieu Lorient, Vermelles. Sous-préfecture. Lormen et Pontivy. T'as de la chance d'avoir des sons. Moi, j'en ai pas encore. Une vache donne 20 litres de lait par jour. Combien en donne-t-elle en une semaine? Léon.
Regarde-moi, Léon. 20 litres de lait par jour. Il y a combien de jours dans une semaine? Compte sur tes doigts. Lundi? Mardi? Mercredi? Et jeudi? Ça, jeudi, tu connais? Forcément, il n'y a pas d'école. Ça suffit. Continue, c'est presque la fin de la semaine. Le vendredi et le samedi. Et le dimanche? Ta mère ne traite pas votre vache, le dimanche? Si. Alors, ça fait combien de jours? Sept. 20 litres, 7 jours. Préviens ton père, Léon. S'il continue à te faire manquer l'école à chaque fois qu'il a besoin de toi pour ramasser du bois, couper de l'herbe, dégermer les pommes de terre ou je ne sais quoi encore, j'enverrai monsieur le maire et les gendarmes pour te chercher. Parfaitement, les gendarmes, il ira en prison. Taisez-vous, pas gagner vos places. Ce n'est pas drôle. C'est triste. C'est bien triste. Essaie pas de pleurer qui arrangera tes affaires. Quelle opération dois-tu faire? C'est pas sorcier tout de même. Je calcule la surface de la vache. Bah, va pas être donnée, celle-là. Hein. Fais passer 8 à 10 mètres carrés. T'en fais pas, Léon. Comme d'habitude, on va les avoir. Bien, messieurs, nous allons procéder à la mise en vente de 4 vaches, dont une pleine de veaux, et 3 parcelles de terre appartenant à monsieur Léon Lebrec. Amenez-moi la bête. Allez, viens. Une Normande, de 4 ans. Vous notez que Foncine porte une promesse de veau pour la mi-mars. Hein. Alors, la mise à prix du vendeur, c'est 2000 francs. 200 000, hein, pour ceux qui ne parleraient pas couramment, le nouveau franc. Allez, c'est parti, là, je vous écoute. 2100. Bonjour, 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 bonjour. 2100. 215. 2003. Ça fait 230 000, ce que tu dis? Ouais. Allez, vaut pas. Pour moi, si. Alors, 2003, une fois. 2003, deux fois. Et personne n'a monté là-dessus. Eh bien, messieurs, on va dire 2003 adjugé vendu à monsieur Jean-Baptiste le reculou. Bon, allez, on continue, on n'a pas que ça à faire. Maintenant, Marguerite. Moi, c'est surtout la prairie qui m'intéressait. Vu qu'elle borde le champ de l'an. Depuis des années, je me disais, si un jour Léon la vend, je suis son homme. Ben, voilà le jour venu. Vous ne vous êtes pas contenté de la prairie? Vous avez acheté tout le reste? Et ça, c'est une affaire entre lui et moi. Ton argent est bien placé. En t'agrandissant, du même coup, t'augmentes ton quota de lait. C'est pas pour ça que j'ai acheté, Léon. J'ai pas tout dit au notaire. À la vérité, je voulais pas que tu te fasses plumer par les rapaces des Landes et ceux du bois du père, qui valent pas mieux dès qu'il s'agit de traiter une affaire. Ils auraient bien voulu l'avoir, ta terre, mais pas au même prix que le mien. Il paraît même qu'ils se sont parlé dimanche pour faire baisser les enchères. Je suis pas forcé de te croire. T'aurais tort, c'est la vérité. Si j'ai monté sur eux, c'est pour faire équipe, comme dans le temps. Ils sont suffisamment foutus de notre gueule, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Puis, je me suis rappelé aussi que ton père avait travaillé pour le mien,
et que ta malheureuse mère s'était occupée de moi quand la mienne n'en avait plus la force. C'était des bonnes personnes. Allez, Molly Bourrique, par ici, bon Dieu, je vais vous dresser les comptes, moi, si mon mari ne sait pas. C'est pas des vaches modernes. Elles n'ont jamais été menées à la trique. Si tu les maltraites, elles feront tout de travers. J'ai jamais eu l'intention de les frapper. Je veux seulement qu'elles m'obéissent. Elles n'ont pas besoin qu'on les menace. T'obtiendras d'elles tout ce que tu veux si tu leur parles gentiment. Viens, ma grande. Viens, viens. Ma... Bon, allez, alors, viens. Allez. Alors, s'il te plaît, tu parles, j'en parle gentiment, tu fous le camp, oui. Allez, par là. Ah ben voilà. Par ici, les belles. Je vais vous conduire dans votre nouvelle maison. Vous allez voir, c'est un château comparé à chez nous. Jette ton bâton et viens à côté de moi. Si elle te voit pas devant, comment veux-tu qu'elle apprenne à te suivre? T'as oublié comment tu faisais quand t'étais jeune? Oh, tu m'emmerdes, Léon, avec tes leçons. Will, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous? Tu traînes ou quoi? Allez, bouge pas, c'est pour que... pour t'éviter d'avoir mal. Faire crotte ça. Allez. Allez, tranquille. Tiens, prends-le. Allez, arrive ici. Allez, viens. Ça y est, vous allez pouvoir passer les têtes dans les camps Nadis. Tu n'as pas perdu de temps. On a déjà beaucoup trop de bêtes. Personne pour nous donner un coup de main. Et pas d'héritier dans le métier pour prendre Arlève. Métier ou pas métier, tes enfants sont bien contents d'avoir une entreprise en plein essor quand on sera plus là. Ils la vendront plus facilement qu'une ferme sur le déclin. Mes enfants, c'est aussi les tiens? Oui, c'est les miens, je les renie pas. Je dis seulement que l'argent les consolera de notre mort. T'es méchant, Jean-Baptiste. Méchant. Non, je regarde ce qu'il y a autour. Si t'es méchant. Y a pas de raison que ça soit pas pareil chez nous. On a peut-être intérêt à s'arrêter, t'as vu ce qui se prépare? C'est pas pour nous, ça va passer à côté. Non, j'en suis pas si sûr.
ton maudit caillou aussi. Pourquoi que tu te fous pas en l'air? C'est même pas l'affaire d'une heure avec le matériel qu'on a. C'est pas un caillou. Cette pierre, elle est tombée du ciel. Elle est sacrée, faut pas y toucher. C'est des conneries, tout ça. Ouais, si c'était des conneries, tu ferais pendant ton froc. C'est là que j'ai vu que la pierre saignait. Tu me fais peur. Ça n'annonce rien de bon, comme aurait dit ta mère. Une journée de plus et le maïs va pourrir sur pied. Ah, nom de Dieu, de bon Dieu, de Dieu. Arrête de jurer, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à indisposer le bon Dieu. Oh Dieu tout-puissant, nous implorons votre clémence afin que vous arrêtiez ce torrent de pluie qui nous inonde. Et que vous daigniez faire luire sur nous la sérénité de votre visage. Ah, tu peux lui seriner tout ce que tu veux, ton bon Dieu, il t'écoute pas. Plus il vieillit, plus il devient dur d'oreille. Sans compter qu'avec le boucan que font les avions, maintenant dans le ciel, ça rend de plus en plus difficile la communication. Tu vas finir par nous porter malheur. Ut fructus terat. Dari et conservare digniris, te rogamus odinos. Du ragoût avec les os. Il y a Caroline qui est couchée sur le flanc. Mon Dieu, la Marguerite aussi. Avait épargné jusqu'à présent. Alors que la maladie semblait pour toujours rangée au rayon des douloureux souvenirs, on vient de redécouvrir un cas isolé de brucellose dans cette ferme du sud du département. Pour prévenir un nouveau fléau, sur le conseil des services vétérinaires, le préfet
a pris la seule mesure efficace contre la Dieu, propagation de l'épidémie. C'est chez nous. L'abattage du troupeau. Assieds-toi. Je vous dis que c'est chez nous. Assieds-toi. Lâchez pas vos cartouches, nous n'y est pour rien. On n'est pas là de gaieté de cœur. Ferme ta gueule, Blanc-Bec. Joue pas au plus fin. C'est pas une mauviette que t'as devant toi. C'est quelqu'un qui est décidé à défendre son cheptel. Si vous faites un pas en avant, même si je dois finir mes jours en prison, je ne menace plus, je tire. Il en est capable. Ils s'en foutent dès qu'on touche à leur bête. Demi-tour, les gars. On va pas risquer notre vie pour la préfecture. Jamais je ne céderai, jamais. S'il les tue, il me tuera avec. Et l'éleveur ayant fait feu à deux reprises à l'arrivée des agents de l'abattoir, le préfet décide d'envoyer les gendarmes pour mater le rebelle. Ta gueule, pauvre con ! Les miennes non plus, tu les auras pas. Voilà. Soldat Lobrec, première compagnie, troisième section. À vos ordres, mon capitaine. Si t'es venu ici pour faire le con, tu peux retourner chez toi, Léon. Pas avant de t'avoir parlé. À ce qu'il paraît, tu m'accuses. De quoi? Je t'aurais jeté un sort. Quel est le menteur qui t'a raconté ça? Le bruit court, il m'est revenu aux oreilles. Comment peux-tu croire une chose pareille? Si je l'ai fait, que je meurs sur place. Bon, d'accord, c'est pas toi. N'empêche, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu penses à qui? Oh, un jaloux qui voudrait me faire rentrer la tête dans les épaules. Peut-être pas besoin de chercher bien loin. Des envieux, il en manque pas autour de nous. Il n'y a pas que les vivants qui peuvent t'en vouloir, Jean-Baptiste. Qui, par exemple? T'as le don de voir. Tu le sais aussi bien que moi. Tes parents n'ont pas embrassé ta grand-mère avant de fermer son cercueil. D'où tu tiens ça, toi? De ma mère. C'est elle qui a fait la toilette de la morte. C'est peut-être encore ton aïeul qui te poursuit aujourd'hui, pour te faire payer les manquements de tes parents. Vous allez trouver longtemps son fantôme sur votre route. Elle va chercher à vous nuire pendant 7 générations. Et les mamans, et les colombes. Et les filles, on va faire ménage avec Colombe. Non, j'arrête. Non. Ne dis pas des bêtises. On fait pas ça avec sa sœur. Pas ma sœur, Colombe. Ma fiancée. Ma fiancée. Ma fiancée. Ma fiancée. Ma fiancée. Ça coule. Allez, Didi. Tu montes te coucher tout de suite. Didi. Pas coucher, Didi. Pas coucher, nom de Dieu. Alors arrête d'embêter Colombe. Parce qu'elle avait une vie triste. Elle voulait que tout le monde soit malheureux. Mais qu'est-ce qu'il fait, votre père? Il devrait être là depuis plus d'une demi-heure.
malheur s'abattit sur la ferme du Chandelan au printemps 1914. Pauvre grand-père, il ignorait qu'il n'irait pas au bout de sa rigole.